prière à l'Esprit Saint, accueille le Saint-Esprit dès le matin. Père céleste, toi qui es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier créateur de l'univers, le maître du ciel et de la terre, nous nous tournons vers toi en ce moment. Nous te demandons de faire reconnaître ta présence sainte dans nos vies. Esprit Saint, tu nous as formés. Tu connais chaque pensée de notre esprit, chaque battement de notre cœur et chaque détail de notre vie. Père, nous t'invitons à venir résider dans nos vies. Saint-Esprit, remplis-nous, guide-nous, enseigne-nous et équipe-nous. Sois notre ami, toujours présent, et notre secours. Du moment où nous nous réveillons jusqu'à ce que nous reposions notre tête pour dormir, permets-nous de ressentir ta présence réconfortante en chaque instant, non seulement maintenant, mais à chaque moment de chaque jour. Seigneur, que ton Saint-Esprit remplisse tous les espaces autour de nous. Que le Saint-Esprit soit présent en nous, de sorte qu'il y ait assez de place pour ceux qui ne viennent pas de toi. Remplis-nous au point que, lorsque nous faisons face à des attaques de l'ennemi, tout ce que l'ennemi voit, c'est toi. Remplis-nous de ta présence et aide-nous à vivre de la manière que tu désires. Père, nous te demandons la force. Nous te remercions, Seigneur, car tu es notre force et notre bouclier lorsque nous sommes faibles. Tu es fort. Nous savons que nous pouvons courir vers toi en sachant que tu nous donneras la force de continuer. Seigneur, accorde-nous la sagesse aujourd'hui. Tu es la source de toute sagesse. Aide-nous à faire des choix sages, à prononcer les paroles justes et à vivre de manière qui te soit agréable. Père, nous te prions pour la santé de nos corps qui servent de demeure à ton Saint-Esprit. Accorde-nous une santé complète et divine de la tête aux pieds. Nous te demandons ta touche de guérison, que chaque cellule, chaque organe, chaque système à l'intérieur de nos corps fonctionne exactement comme tu l'as conçu. Permets à nos corps d'être forts et capables de résister à toute maladie ou menace qui pourrait se présenter. Nous te prions également pour notre protection contre le danger et le mal, et pour que tu nous préserves contre toute substance ou pratique nuisible à notre santé. Seigneur, nous te demandons tes bénédictions. Tout bien provient de toi, et nous te prions de répandre tes bénédictions sur nous. Bénis notre travail, bénis les personnes que nous aimons, bénis la vie que nous vivons. Mais, plus que tout, aide-nous à être une bénédiction pour les autres. Utilise-nous pour apporter de la joie, de l'aide et de l'espoir à ceux qui nous entourent. Père, nous te prions pour ta protection divine. Il y a de nombreux dangers et problèmes dans le monde, mais nous savons que tu es notre protecteur, notre lieu sûr, notre bouclier. Garde-nous en sécurité contre le mal, délivre-nous du mal et maintiens-nous près de toi, Seigneur. Nous sommes reconnaissants que le Saint-Esprit soit notre secours. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous rappelle que lorsque Dieu est à notre côté, rien ne peut être fait contre nous. Que le Saint-Esprit nous rappelle que rien ne peut nous arracher à l'amour de Dieu, même pas la vie ou la mort, les anges et les démons, les soucis d'aujourd'hui ou les craintes de l'avenir. Que le Saint-Esprit nous rappelle que nous sommes précieux pour toi, Seigneur, et aide-nous à comprendre notre identité en Jésus-Christ. Saint-Esprit, change-nous, rends-nous plus semblables à Jésus. Remplis-nous des fruits de ton esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Aide-nous à manifester ces fruits dans nos vies, non seulement pour notre bien, mais aussi pour le bien de ceux qui nous entourent. Alors que nous récitons cette prière, ainsi que tous ceux qui écoutent, nous demandons que tu les remplisses de ton Saint-Esprit
et de ton amour pour tous ceux qui ont besoin de force pour affronter la journée, Saint-Esprit. Donne-leur force et courage pour ceux qui se sont réveillés, blessés ou dans la douleur. Saint-Esprit, sois leur consolateur, aide-les à se sentir calmes lorsque leur cœur est inquiet. Pour ceux qui se sentent perdus et ont besoin d'aide pour comprendre quoi faire, Saint-Esprit, sois comme un bon ami, qui les guide et les oriente. Seigneur, merci d'entendre cette prière et merci pour tous ceux qui l'écoutent. Merci Seigneur d'être notre Père, notre ami, notre secours et notre guide. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Prière puissante au Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons dire la prière au Saint-Esprit, demandant un miracle. Mes chers frères et sœurs, c'est un honneur de partager cette prière avec vous tous aujourd'hui. Si vous endurez des afflictions et avez besoin d'une intervention miraculeuse de toute urgence dans votre vie, demandez à l'Esprit-Saint d'intercéder en votre faveur. L'Esprit-Saint appartient à la puissante Trinité de Dieu, le Père Jésus, son Fils et la troisième personne qui est l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint est connu comme le Dieu créateur. Il peut renouveler nos situations. Alors commençons par le signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Saint-Esprit, je viens à toi rempli de foi et d'espoir aujourd'hui, implorant ta divine présence pour m'envelopper en ce moment même. Je suis conscient que tu es le consolateur, le guide, le compagnon, le plus fiable et le faiseur de miracles, qui peut changer toute situation dans ma vie. Mon âme est en tumulte et ma foi est mise à l'épreuve. Cependant, je suis rassuré que tu es avec moi, ne m'abandonnant jamais, et tu as un plan solide pour ma vie. Je suis donc prêt à me livrer à toi et à placer ma confiance entre les mains de Dieu. Je prie pour que tu me visites et me confères le miracle dont j'ai besoin de toute urgence. Je suis conscient que tout est réalisable grâce à toi et que tu possèdes le pouvoir de guérir, de délivrer, de réhabiliter et de transformer. Par conséquent, je te révèle toutes mes préoccupations, mes peurs, mes angoisses et mes malheurs. Je te demande de me remplir de ton onction. S'il te plaît, renouvelle ma foi, mon espoir et ma confiance en toi. Je désire devenir un médium de ta grâce et de ta compassion, illuminant le chemin de lumière et de tranquillité. Partout où je passe, je crois fermement que tu es un Dieu aimant et que tu prends en compte chaque aspect de ma vie. C'est pourquoi je te supplie de m'aider à comprendre la situation actuelle et de me diriger vers l'avenir que tu as prévu pour moi. J'aspire à suivre tes ordres et à consacrer ma vie à accomplir ta volonté. Ma prière est que tu bénisses mes proches et ma famille, mes collègues et mes amis proches, que ta présence les entoure toujours, les défende et les comble de bénédictions abondantes. Je te suis reconnaissant, Saint-Esprit, pour tout ce que tu as accompli dans mon existence et pour tout ce que tu continueras à faire. Je crois ardemment que mon miracle est en chemin et que tu travailles en ma faveur. Je mets ma foi en toi et en ta bonté infinie. Je me soumets à toi, te suppliant de me guider, de diriger mes décisions et de m'habiliter à avancer au Saint-Esprit, source d'amour et de discernement. Je viens à toi avec humilité et confiance, demandant ta présence protectrice dans chaque phase de ma vie. Je sais que tu es le consolateur et le défenseur de nos âmes, éclairant le chemin que je parcours. En toi, je trouve la volonté et la perception essentielles pour surmonter les obstacles de la vie. Par conséquent, je te demande de me combler de ta grâce et de ta miséricorde, me protégeant de toutes les tragédies visibles et invisibles, et me libérer de toute forme de règles oppressives et autoritaires. Je vous serais reconnaissant si vous pouviez m'aider à garder mon esprit ouvert à votre volonté, me permettant de distinguer entre ce qui est bien et ce qui est mal, et de prendre des décisions prudentes et justes à chaque étape de ma vie.
je vous implore de me montrer le chemin de votre justice, avec votre lumière brillante, intensément, à chaque pas que je fais, me rapprochant toujours plus de vous et me permettant de grandir spirituellement dans la sainteté et la bonté. Je demande que vous me fournissiez une paix qui dépasse l'entendement humain, de sorte que même dans les circonstances les plus difficiles, je puisse compter sur vous. Que votre présence déborde d'amour, de bonheur et d'espoir dans ma vie, afin que je puisse être un fidèle défenseur de votre message d'amour, de compassion et être miséricordieux en toutes circonstances. Ô Saint-Esprit, je vous demande de bénir mes proches, mes amis et tous ceux qui entrent dans ma vie, afin que je puisse répandre votre amour et votre bonté partout où je vais. Consolateur divin, Saint-Esprit, vous nous rafraîchissez avec joie et nous remplissez d'enthousiasme. S'il vous plaît, guidez-moi sur le chemin de la vérité et de l'illumination. Accordez-moi la force de faire face aux défis de la vie avec grâce et discernement. Aidez-moi à rester fidèle à mes valeurs et à mes idéaux et à trouver de la gentillesse et de la bonté dans chaque situation. Donnez-moi le courage de poursuivre la justice et la vérité dans tous les aspects de ma vie. Je prie pour l'humilité de reconnaître mes limites et le courage de faire des changements positifs dans mon comportement. Donnez-moi la résilience pour surmonter les difficultés et la compassion pour pardonner ceux qui m'ont fait du tort. Veuillez m'accorder la sagesse de faire les bons choix et le courage de les défendre. Saint-Esprit, veuillez m'éclairer, remplir mon cœur de connaissances et me guider sur le chemin de la droiture. Je demande l'unité avec les autres croyants pour devenir de plus en plus christique chaque jour. Aide-moi à comprendre la sagesse divine, intégrée dans tes enseignements et à reconnaître le véritable chemin. Avec ta lumière, aide-moi à discerner la bonne voie à suivre et apercevoir la beauté de tes directives. Bénis-moi de sagesse, de discernement et d'ainsi, comme les saints et les figures saintes du passé, que je surmonte les désirs de la chair et les tentations trompeuses avec la direction du Saint-Esprit. Divin Consolateur, Saint-Esprit, sanctifie mon être, montre-moi le chemin vers le salut et guide-moi à chaque étape du chemin. Je te supplie de m'accorder la lumière qui illumine la connaissance de la volonté de Dieu et de me donner assez de courage pour l'accomplir. Inspire-moi avec des pensées célestes, des désirs pieux et des intentions altruistes, conformes à tes enseignements. Reste près de moi lors des moments de tentation. Renforce-moi lorsque je montre des signes de faiblesse et soutiens-moi pendant les difficultés et les adversités de la vie. Accorde-moi la grâce d'être doux et humble de cœur, de maintenir la pureté de mon âme et de mon corps, et de pratiquer une charité suppliante envers mes semblables. Donne-moi la force de me soumettre à la volonté de Dieu à chaque fois et aide-moi dans mon œuvre pour sauver les âmes perdues. Encourage-moi à pratiquer les vertus chrétiennes telles que la patience, l'obéissance et surtout la charité. S'il te plaît, remplis-moi de la douceur de ta grâce qui stimule un profond désir dans mon cœur pour les choses sacrées célestes. Éveille en moi le désir de devenir saint, afin qu'un jour je puisse voir le visage de Dieu au paradis. Esprit de vérité, permets-moi de m'humilier devant Jésus et de l'adorer spirituellement avec vérité. Permets-moi de l'aimer plus que tout et d'avoir un désir sincère de sacrifier ma vie pour étendre son royaume dans le monde entier. Divin Maître, entre dans ma vie et illumine mon intelligence spirituelle pour que je puisse connaître Jésus-Christ dans un sens plus profond et promouvoir ses enseignements auprès de tous. Prends possession de ma volonté et aide-moi à ne désirer que ce que tu veux pour que la paix et la joie puissent fleurir en moi. S'il te plaît, viens et nettoie mon cœur et aide-moi à nier mes sens pour devenir une demeure digne du Seigneur. Aide-moi gracieusement à persister dans mes prières, à être conscient de moi-même
à être devoir et à être disposé à faire des sacrifices. S'il te plaît, sois avec moi tout au long de ma vie, et lorsque le temps viendra, aide-moi pendant ma mort. Permets-moi de vivre la joie, de te louer et de t'adorer pour toute l'éternité au paradis Saint-Esprit. Divin Consolateur, bénis-moi de ta grâce et protège-moi de ton illumination et de ta pureté. S'il te plaît, sauve-moi de tout danger, de toute tentation et de l'influence du mal. Disperse les ténèbres qui m'enveloppent et guide-moi vers le bien et la droiture. Permets-moi de discerner la volonté de Dieu et accorde-moi l'endurance pour la réaliser. Aide-moi à travers les épreuves et les difficultés de la vie. Accorde-moi la paix intérieure et le bonheur chrétien, que mon cœur brûle toujours d'amour pour Jésus-Christ et du désir ardent de diffuser le message de salut aux âmes perdues. Dieu, s'il te plaît, crée en moi le désir de pratiquer toutes les vertus. Remplis-moi de ta grâce et de pensées célestes qui sont plus douces que les choses de ce monde. Aide-moi à inspirer uniquement aux choses qui sont du ciel et à me détourner de tout ce qui entrave mon chemin avec toi. Accorde-moi la grâce de vaincre mes désirs et d'être pur dans mon cœur. Encourage-moi à suivre les pas de notre cher Seigneur Jésus-Christ et à obéir toujours aux enseignements de la Sainte Église catholique. S'il te plaît, enseigne-moi comment prier et adorer le Dieu Tout-Puissant. Purifie et consacre mon cœur pour qu'il devienne un temple saint pour toi. Sois avec moi à chaque instant de mon existence, surtout pendant l'heure de ma mort. Permets-moi la béatitude de te louer et de te glorifier à jamais au paradis. Cher Esprit divin, s'il te plaît, protège-moi contre tout mal, maintenant et pour toujours. Donne-moi la force dont j'ai besoin pour naviguer dans ma vie et ma mort, sans perdre de vue le chemin du salut. Bénis-moi avec la capacité de vivre dans ce monde de manière dont j'espère vivre au ciel, où tu me transformeras et me sanctifieras. Ô Esprit Saint, Divin Consolateur, tu viens à nous comme un souffle de douceur ensoleillée, nous remplissant de joie. Je prie pour que tu nous éclaires de ta présence et nous guides toujours vers la vérité. Dieu, s'il te plaît, bénis-nous de sagesse, de courage et de force pour affronter les épreuves et les tribulations de la vie. Aide-nous à rester fidèles à nos croyances et à défendre les principes pour lesquels nous nous engageons, même si cela est difficile. Guide-nous vers la vérité et la droiture dans chaque situation que nous rencontrons. S'il te plaît, accorde-nous la capacité de vivre chaque jour avec espoir et foi. Accorde-nous la clairvoyance de distinguer le bien du mal et arme-nous avec la force de choisir toujours le bon chemin. S'il te plaît, guide-nous pour rechercher la justice et la vérité dans toutes nos actions. Aide-nous à comprendre, accepter et apprécier nos limites et donne-nous le courage de suivre nos chemins choisis. L'adversité sera toujours présente, mais puisses-tu nous donner la force de les affronter et la capacité de partager nos bénédictions avec joie avec les autres. Donne-nous la capacité de pardonner ceux qui ont fait du tort et la volonté de tendre une main aimable à ceux qui ont besoin de notre aide. Que ta bienveillance continue de nous inonder, afin que la compassion et la bonté puissent couler de nous comme un doux ruisseau. Nous prions pour le don de l'humilité, afin de reconnaître et de corriger nos erreurs, et le courage de changer quand cela est nécessaire. Nous demandons la détermination pour continuer à avancer quand les choses semblent impossibles, et la capacité d'accepter les choses que nous ne pouvons pas contrôler. S'il te plaît, aide-nous à avoir la foi, que tout arrive pour une raison et le courage de poursuivre notre destin. Guide-nous dans la sélection du meilleur chemin et donne-nous la fortitude de défendre nos valeurs. Saint-Esprit, s'il te plaît, accorde-nous des miracles que nous pouvons percevoir dans nos vies. Aide-nous à croire que tout est possible et que l'amour est la foi qui soutient tout. Permets-nous de trouver la joie en toutes circonstances
même lorsque les choses deviennent difficiles. Bénis-nous avec l'intrépidité d'ouvrir notre cœur à la gentillesse et à la douceur des autres. Puissions-nous avoir la force de pardonner ceux qui ont causé du tort et le cœur empathique de tendre la main à ceux qui en ont besoin. Permets-nous d'embrasser humblement nos limites et d'acquérir le courage de renoncer à ce qui doit être changé. Accorde-nous la persistance pour continuer à avancer, même lorsque la situation semble impossible. Permets-nous de trouver la sagesse pour choisir le bon chemin et d'avoir la conviction ferme de nos principes. Saint-Esprit, nous t'en supplions. Bénis-nous d'un miracle que nous pouvons comprendre. Guide-nous sur le chemin vers notre destination et donne-nous la foi que tout arrive pour une raison. Donne-nous l'endurance de vivre chaque jour avec confiance et optimisme, avec la force de faire face à toutes les adversités qui se présentent à nous. Dieu, aide-nous, s'il te plaît, à trouver la vérité et la bonté en tout temps et à accepter humblement nos limites. Accordez-nous le courage de rectifier les changements nécessaires et d'avoir de la compassion pour ceux qui ont besoin de notre aide. Aide-nous à réaliser humblement nos erreurs et à pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Bénissez-nous avec la foi de croire que tout arrive pour une raison et permettez-nous d'avancer même lorsque les choses semblent impossibles. Donnez-nous la sagesse de prendre les bonnes décisions et la force de rester ferme dans nos convictions. Permettez-nous de trouver la joie dans chaque situation et inspirez-nous à partager nos bénédictions avec les autres. Saint-Esprit, nous venons à toi aujourd'hui en cherchant un miracle. Aidez-nous à comprendre les défis auxquels nous sommes confrontés et donnez-nous la force de les surmonter. Nous prions pour que nous puissions partager nos bénédictions avec les autres et être gentils avec ceux qui le sont avec nous. Aidez-nous à être humbles et à accepter nos limites. Nous croyons également que tout arrive pour une raison. Et nous demandons la persévérance pour avancer, même lorsque les choses semblent impossibles. S'il te plaît, bénissez-nous de la sagesse pour prendre les meilleures décisions et la force pour quand nos idéaux sont remis en question. Nous prions également pour que vous nous donniez le courage de faire les changements nécessaires et la compassion pour aider et soutenir ceux qui en ont besoin. Merci de nous écouter. Amen. La prière du matin à l'Esprit Saint. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, je vous offre mon cœur, tout froid qu'il est, et je vous supplie d'y faire entrer un rayon de votre lumière et une étincelle de votre feu pour fondre la glace si dure de ses iniquités. Vous qui avez rempli d'immenses grâces l'âme de la bienheureuse Vierge Marie, et enflammé d'un saint zèle les cœurs des apôtres, daignez aussi embraser mon cœur. Que la bienheureuse Vierge Marie, qui a obtenu le vin de l'amour infini, nous obtienne le vin de l'amour infini, qui enivrera d'extase les apôtres le saint jour de la Pentecôte. Que le Saint-Esprit, par Marie, suscite de nouveaux apôtres enivrés de l'amour de Jésus-Christ. Vous êtes un esprit divin. Fortifiez-moi contre les mauvais esprits. Vous êtes un feu. Allumez en moi le feu de votre amour. Vous êtes une lumière. Faites-moi connaître les choses éternelles. Vous êtes une colombe. Donnez-moi des mœurs pures. Vous êtes un souffle plein de douceur. Dissipez les orages que soulèvent en moi mes passions. Vous êtes une langue. Enseignez-moi la manière de vous louer sans cesse. Vous êtes une nuée. Couvrez-moi de l'ombre de votre protection, auteur de tous les dons célestes. Je vous en conjure, vivifiez-moi par votre grâce, sanctifiez-moi par votre charité, gouvernez-moi par votre sagesse, adoptez-moi pour votre enfant, et sauvez-moi par votre infinie miséricorde, afin que je ne cesse jamais de vous bénir, de vous louer, de vous aimer. D'abord sur la terre, pendant ma vie, et ensuite dans le ciel durant l'éternité. Ainsi soit-il. Ô Saint-Esprit, j'ai confiance en toi.
Prions maintenant une dizaine de chapelets pour toutes vos intentions de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, que nous n'avons jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Animée d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je cours vers vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières,
mais accueillez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière du matin, Esprit Saint. Inspire-moi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, je te remercie pour ta présence constante dans ma vie. Je te confie mes pensées, mes actions et mes paroles de ce jour. Esprit Saint, toi qui es la source de sagesse et de force, je t'implore de m'inspirer aujourd'hui. Guide-moi à travers les choix que je vais faire. Donne-moi le courage de suivre mes convictions et de m'élever au-dessus de toutes les tentations qui pourraient me détourner de ma voie. Aide-moi à voir la beauté dans les choses simples et à trouver la paix dans les moments difficiles. Esprit Saint, donne-moi la force de servir les autres et de les aimer inconditionnellement, tout comme tu m'aimes inconditionnellement. Esprit Saint, je te demande de me donner la sagesse pour comprendre les choses qui m'entourent, pour voir les possibilités qui s'offrent à moi et pour saisir les opportunités qui se présente. Aide-moi à écouter mon cœur et à suivre mon intuition pour que je puisse agir en accord avec la volonté de Dieu. Donne-moi la force de surmonter les défis et les obstacles qui se dresseront sur ma route pour que je puisse avancer avec confiance et détermination. Et quand je me sentirai perdu ou découragé, rappelle-moi que tu es toujours là pour me guider et me soutenir. Esprit Saint, je te remercie de ta bénédiction sur moi et sur ceux que j'aime. Je te confie mes actions, mes rêves et mes aspirations pour cette nouvelle journée et je te demande de les bénir. Amen. Prions maintenant une dizaine de chapelets pour toutes vos intentions de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, que nous n'avons jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Animée d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je cours vers vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière du matin au Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Acte de consécration à l'Esprit-Saint.
en présence du ciel et de la terre, remplis de votre gloire et à genoux devant votre majesté divine. Je m'offre, corps et âme, à vous, éternel Esprit de Dieu. J'adore l'éclat de votre pureté, l'intégrité inégalable de votre justice et la puissance de votre amour. Vous êtes la force et la lumière de mon âme. Par vous, je vis, je pense et j'agis. Puis-je ne jamais pécher contre vous, ni vous contrister en résistant à la grâce? Guidez mes pensées, faites que j'entende toujours votre voix et que j'obéisse à vos suaves inspirations. Je m'attache à vous, je me donne à vous, et je supplie votre miséricorde de veiller sur ma faiblesse. Prosterné aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ, crucifié, contemplant ses plaies, plein de confiance dans son sang précieux, adorant son côté ouvert et son cœur brisé, je vous supplie, Esprit adorable, soutien de ma fragilité, de me préserver de toute faute, et si je tombe, de m'accorder le pardon. Faites-moi la grâce, ô Esprit Saint, Esprit du Père et du Fils, de vous dire toujours et partout, parlez Seigneur, votre serviteur écoute. Esprit de sagesse, présidez à toutes mes pensées, paroles et actions, depuis l'heure présente jusqu'à celle de ma mort. Esprit d'intelligence, éclairez-moi, enseignez-moi. Esprit de conseil, dirigez mon inexpérience. Esprit de force, fortifiez ma faiblesse. Esprit de science, dissipez mon ignorance. Esprit de piété, faites-moi persévérer dans la bonne voie. Esprit de crainte, délivrez-moi de tout mal. Esprit de paix, donnez-moi votre paix. Divin Esprit, rendez-moi fidèle dans le service de Dieu. Donnez-moi la force d'agir dans toutes les occasions, avec bonté et bienveillance, douceur et fidélité, patience et charité, joie et longanimité. Esprit de Dieu, viens prier en nous. Louange à toi, Seigneur, puissant Esprit consolateur, généreux, dispensateur de tous les biens. Tu es l'égal du Père et du Fils, à toi la gloire et la souveraineté. Esprit de Dieu, viens prier en nous. Tu es lumière et porteur de lumière. Tu es bonté et source de bonté. Tu es l'Esprit qui forme les prophètes et suscite les apôtres. Tu donnes victoire aux martyrs et puissance aux témoins de la foi. Esprit de Dieu, viens prier en nous. Tu rends intelligent ceux qui cherchent. Tu diriges ceux qui aiment. Tu consoles ceux qui sont tristes et tu fortifies les faibles. Tu panses les blessés, redresses les déchus, donne courage aux craintifs. Esprit de Dieu, viens prier en nous. Tu calmes les emportés, adoucis les cœurs purs. Tu affermis les fidèles et gardes les croyants. Nous t'en supplions, Esprit de Dieu, viens prier en nous. Esprit consolateur, descends dans le temple de nos cœurs, comme tu es descendu dans le cénacle où priaient les disciples avec Marie. Esprit de Dieu, viens prier en nous, viens nous vivifier par tes dons bienfaisants. Embrasse nos cœurs du feu de ton amour. Emporte-nous ta sagesse éternelle et que ta lumière éclatante purifie nos cœurs. Esprit de Dieu, viens prier en nous. Amen. Esprit Saint, j'ai confiance en toi. Amen. Viens Esprit Saint, viens habiter dans nos cœurs. Viens nous éclairer de ta lumière tout au long de cette journée. Amen. Prions maintenant une dizaine de chapelets pour toutes vos intentions de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce.
le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, que nous n'avons jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Animée d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je cours vers vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme
et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière pour la Pentecôte. Viens, Esprit Saint, descends sur nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, en ce dimanche de Pentecôte, je me tourne humblement vers toi, désirant ardemment recevoir ton effusion et tous tes dons. Viens, Esprit Saint, avec ta présence bienveillante et ta grâce abondante. Ouvre les portes de mon cœur et inonde-moi de ta lumière divine. Purifie mes pensées, mes paroles et mes actions, afin que je devienne un témoin vibrant de ton amour et de ta puissance dans ce monde. Saint-Esprit, je t'invite à souffler sur moi tes dons et tes fruits, la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance, la piété et la crainte de Dieu. Remplis-moi de ton amour, de ta joie, de ta paix, de ta patience, de ta bonté, de ta bienveillance, de ta fidélité, de ta douceur et de ta maîtrise de soi. Je te demande de guider mes pas, de m'éclairer de ta sagesse et de me fortifier dans ma foi. Que ton esprit m'accompagne tout au long de cette journée et me donne la force d'affronter les défis qui se présentent à moi. Je te prie de me revêtir de ton onction et de me remplir de ta présence, afin que je puisse être un instrument de ton amour et de ta grâce dans ma famille, ma communauté et mon entourage. Saint-Esprit, je te demande de me conduire sur les chemins de la vérité et de l'unité, de répandre ton feu divin dans mon cœur et de faire brûler en moi un amour ardent pour Dieu et pour mes frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ, je reçois maintenant l'effusion de ton Esprit Saint. Je t'ouvre grand les portes de ma vie et je te fais confiance pour opérer en moi ta transformation profonde. Que cette journée de Pentecôte soit pour moi un renouvellement spirituel, une rencontre intime avec toi, Esprit Saint, et une ouverture à ta puissance infinie. Merci, Esprit Saint, pour ton amour, ta grâce et ta présence constante dans ma vie. Amen. Que cette prière prépare à recevoir pleinement l'effusion de l'Esprit Saint en ce jour de Pentecôte. Que la puissance et l'amour de l'Esprit Saint nous accompagnent et nous guident dans notre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions maintenant une dizaine de chapelets pour toutes vos intentions de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour tous les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, que nous n'avons jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé vos secours, ait été abandonné. Animée d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je cours vers vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas ma prière, mais accueillez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.